world records. And then for, RTA runs, you want to be slightly less risky. But then for a race like this, I think you might need some backup strats as well, which was that we used a lot in that run. So at that point, actually, that works out well into the next question here. So as far as backup strats, things like that, what were you most afraid of going into this run? What spots were the big scary points, the heart attack moments? Silo, because if three scientists die, you fail mission right there, and you have to reset the mission. Great guards can do anything like pull grenades or blow up consoles. So yeah, silo's a big one. Frigates, if the hostages aren't escaping, you can't leave the level. And then train and jungle are tough levels as well. Controls tough, and cradle as well. So they're the main ones. Yeah. And were there any surprises for you during this run, either good or bad? Yes. I was surprised at how easy jungle was, because it's not one of my strong levels. I was very surprised at Trevelyan going up the ladder in Cradle. That's like a 1 in 100, maybe 1 in 200 sort of occurrence. So it's just that I'd seen that before, so I knew to go back up the ladder. But it was a pretty close race. You know, everyone did well, so yeah. Fantastic. And one last question for you. Why GoldenEye? It was always one of my favorite games as a kid, and then finding the Elite and finding out, you know, how great the records were. And I think, yeah, just wanted to join it and see how well I could do. And then took a big break, came back, and it's a great game. Congratulations. Thanks for coming all this way. Donc là, on va partir pour Golden Eyes, pour Perfect Dark, que je raconte. Donc là, c'est bon, je suis dessus, ça marche. Ouais, ça marche. Salut. Ouh, le son. Bonjour, Grinounet. C'est normal. Donc, tu es prêt pour une run agent de Perfect Dark qui va aller très vite? Je suis prêt, ouais. Mais ça va être plus long que la race de Golden Eye. Ah oui, ça compte, ouais, ça va être un peu plus long, de peut-être 10-15 minutes. Ouais, enfin, on a une estimette qui est plus longue de 10 minutes, mais ils vont se débrouiller comme des chefs, je pense. Il va se débrouiller car c'est un run au singulier. Ouais. Pas de race, cette fois-ci. Puisqu'en fait, il est le seul joueur à savoir jouer à Perfect Dark dans le groupe, donc... tous les genres de GoldenEye sont pas encore passés à Perfect Dark. Et non. Il faudrait leur dire depuis 2000. C'est un peu le petit poussé des Elite. Du moment qu'il joue pas à GoldenEye au service du mal, tout va bien, quoi. Donc ouais, Perfect Dark, comme on l'expliquait, qui est donc un jeu de 64, sorti en 2000, toujours réalisé par Rareware, hein, donc qui a fait le GoldenEye, hein, qui était une particularité intéressante. C'était un de ces rares jeux de 64 qui exigeait l'Expansion Pack pour pouvoir jouer à son mode solo. Sinon, si on n'avait pas l'Expansion Pack, on pouvait jouer qu'au multi. Au multi, qui avait déjà des bots, qui avait des grosses arènes, qui avait pas mal de modes de jeu, qui était super complet pour son époque. Oui. Et qui a donc assuré au jeu déjà une longévité sur le long terme avec son multi assez fantastique jusqu'au bout. Mm-hmm. Et là, il va être prêt à lancer le jeu. Donc l'héroïne, c'est Joanna Dark. Elle travaille, on est en 2027, quelque chose comme ça. On est en 2020, enfin dans les années 2020. Ouais. On est Joanna Dark, une jeune agente de l'agence Carrington, qui essaie d'enquêter sur une mystérieuse affaire qui implique la mystérieuse société Datadyne, qui fait des IA, qui fait des robots, qui fait des trucs comme ça. Et on va vite se rendre compte qu'il y a des aliens dans l'histoire, mais ça a plus de sens que vous pensez. Et on commence en cassant le jeu. Voilà. Voilà, directement, premier niveau, gros B en passant sur le côté, là. On sort de l'immeuble, sur le côté. Et on va directement à l'ascenseur pour terminer le niveau. Terminer le premier niveau en 9 secondes, voire moins. C'est impressionnant et c'est. Il n'y a pas tant de glitch que ça, mais. Ça va très vite. C'est pas un jeu qui. Il y a énormément de glitch à exploiter. C'est un des rares qu'on verra finalement et il est assez impressionnant. Surtout qu'en fait, c'est un des rares niveaux où tu peux aller directement à la sortie. Où le seul objectif, c'est comme GoldenEye, comme tout à l'heure, selon la difficulté, t'as des objectifs différents. Et en agent, t'as juste à avoir comme. Pour la première mission, t'as juste à aller directement à l'ascenseur. T'as pas à passer par plein de détours. Donc ce trick est un peu utile quasiment qu'en agent. Juste point timer pour moi, je suis à 50, 51. Moi je suis à 56 là. Ok, j'ai un portable. Je vais relancer. Mais le deuxième niveau, c'est presque le niveau le plus. C'est un des niveaux les plus longs, parce qu'il y a un passage où t'es obligé d'attendre. En fait, on est obligé d'attendre le site du robot pour passer les lasers. Enfin, il est possible de passer les lasers sans le robot, mais c'est très difficile et ça se fait pas en run, encore moins en run. Ah, c'est pas en run normal. Hein.
En fait, ouais, on a un robot de nettoyage en fait qui désactive le laser. Laser, on ne peut pas passer à travers. Il va essayer de prendre le temps de l'essayer. Ouais. Oui, il a de la vie. Mais là, il a du temps. Hein. Donc, le temps que le robot arrive, il a le temps d'essayer plusieurs fois le trick. De toute façon, trick, il ne perd pas de temps en faisant ça. Il perd juste de la vie, qui n'est pas très grave. Non, il ne veut pas essayer parce que sinon il meurt et ce ne serait pas stratégique, stratégiquement intéressant. Alors, du coup, là, il prépare déjà le récepteur pour l'objectif suivant. Sur cette mission, l'objectif, c'est encore une fois d'arriver à la sortie, de prendre en photo un isotope radioactif et de pirater le réseau Datadyne en utilisant une... Non, même pas, c'est même pas un objectif, c'est juste pour ouvrir une porte. Non, l'objectif, c'est juste pour passer, là. Il va pirater l'endroit. J'invente des objectifs dans ma tête, ça fait bizarre. Action établie. Là, il se met en cam spy pour pas qu'on l'attaque trop. Voilà, ça diminue un peu le... Ça diminue un peu le chance de se faire attaquer. Il perd beaucoup de vie. Il perd beaucoup de vie, ouais, pour une run en agent. Alors ça, c'est... D'autant ça, c'est qu'il a été... Il va le faire safe. Il va tuer tout le monde et il va mettre le code. Ouais, parce qu'il a perdu du temps. Là, c'est vraiment trop safe. Hein. Bon, il a essayé deux fois et les deux fois ne sont pas passées. Donc, il est obligé de la jouer casual. Donc là, par contre, très rapidement, il va devoir tracer une nouvelle salle avec plein d'ennemis dedans, donc il va espérer pas être touché. Parce que bon. Une des salles où on va regarder par terre pour diminuer le lag. Pour diminuer le lag, aller plus vite, ouais, comme dans Golden Eyes. Alors, c'est un peu moins vrai dans Perfect Dark, mais il y a quand même des zones où c'est très important de regarder par terre. Ouais. La Big Boss Man, il dit au moins je suis pas mort. Effectivement. Il va pas être content de son temps sur ce niveau. Alors que là, dans ce niveau, on a une abysse nocturne. Donc ça, c'est tout vert. Voilà, c'est un niveau qui commence dans le noir. Ouais, t'es obligé de mettre les lunettes pour voir où tu vas. Et activer l'auto-aim qui est précieuse. Tu peux le faire à l'aveuglette si tu veux, mais ton viseur va pas forcément suivre. Donc là, tu vas dans l'ascenseur, tu montes directement tu montes directement aux étages qui t'intéressent. Bah, l'idée, c'est d'entrer dans l'ascenseur, refermer la porte en même temps. Oui, parce qu'en fait, l'ascenseur lui aussi a un cycle. Et si tu arrives au moment, tu es obligé d'attendre que l'ascenseur redescende, tu es obligé d'appuyer sur le bouton, d'attendre qu'il revienne. Là, il a fait un trick, il a ouvert la porte par derrière, ouais, dans l'ascenseur. Depuis l'ascenseur, ce qui n'est normalement pas normal. Ouais. On est obligé de passer par plein de petits détours un peu perdus. Il va utiliser un lance-roquette, là, il doit tuer tous les gardes du corps fusil à pompe de la PDG de Datadyne. Ouais. Il va tuer les 5 très rapidement avec son lance-roquette qui normalement devrait être utilisé pour abattre un hélicoptère qui n'apparaît dans la difficulté supérieure. Mais là, il s'en sert très rapidement. Très beau temps sur troisième niveau Datadyne. Moi, ça peut faire. Donc là, la villa, tous les gens de Carrington ont été pris en otage par Datadyne, qui n'est pas contente. Hein, les entreprises se permettent tous de nos jours. Et le début de villa, le fameux sniper. Le fameux sniper, donc tu sauves l'otage. Tu avances. Et puis là, tu essaies d'aller directement le plus rapidement possible jusqu'à là où est. La cave à 20. La cave à 20, voilà, où est caché. Carrington, ton PDG qui est actuellement torturé dans sa cave à vin. Donc j'imagine qu'il doit détruire toutes les bouteilles devant lui et lui est en train de pleurer en disant non, je vais tout vous dire, non, pas le Saint-Emilion 1976, non, je l'ai lu dans les gouttes de Dieu, non. Bref, donc là, il va essayer d'aller le plus vite possible. La fin de ce niveau est assez technique quand même, on va activer des interrupteurs assez casse-pieds. Ouais, et les ennemis peuvent les détruire, alors c'est assez rare, mais s'ils tirent au mauvais endroit, les ennemis peuvent les détruire. Donc là, il s'occupe d'activer la... J'ai entendu, mais il a fait très bien. Voilà. Et là, il doit tuer tous les ennemis de ce sous-sol pour pouvoir... Le dernier ennemi tué lâchera la clé qui lui permettra d'accéder à Carrington. Ouais. Oh, il l'a manqué. Ouais, il l'a vu. Les ennemis peuvent se montrer un peu récalcitrants. Comme Golden Eyes, une nouvelle fois, si vous rejoignez en plein cours. Il y a une auto-aim, une visée automatique, qui est très très pratique en agent, parce que souvent 2-3 balles suffisent à abattre un ennemi. En agent, les ennemis sont pas très précis, font moins de dégâts, et sont bien moins méchants qu'en agent perfect, où là, t'as tous les objectifs à respecter, t'as pas mal de choses à faire. Alors, sur Chicago, il va sans doute tenter de lancer le mine. Ouais, on va voir. Hein. Le lancer de mine, ouais, c'est assez risqué, mais ça passe, c'est du temps de gagner. Bah, l'idée, c'est qu'il faut tuer les 5 gardes qui gardent la porte d'entrée en même temps. Oh, bien joué!
Habituellement, t'es obligé d'abattre, de hacker un taxi pour qu'il abatte un robot, pour que les gardes sortent. Et ensuite, tu peux t'infiltrer dans le truc, tu lances juste ta mine, tu tues les 5 d'un coup, et l'objectif est considéré comme réussi, puisque le jeu considère que c'est une méthode alternative de réussir à entrer, à s'infiltrer dans le bâtiment. Alors, tu t'es infiltré en faisant une explosion à l'entrée, mais les mecs ont pas l'air plus soucieux que ça à l'intérieur. Donc là, les ennemis sont invisibles. Ouais. Et donc, il sait exactement où ils vont atterrir, donc il les attend, il les cueille quand ils apparaissent. Ils s'en débarrassent, ils piquent les clés. Voilà, on connaît leur point de départ et il y a des patterns qui reviennent assez souvent, donc on sait dans quelle direction ils peuvent aller. Donc là, le but du jeu est de prendre en photo avec le Cam Spy, de prendre une vidéo de la conférence qui est entre les méchants, parce que les méchants tiennent une conférence top secrète dans leur bâtiment. Top secrète, hein. Top secrète, ils préparent leur complot, le méchant complot contre le président des États-Unis. Et donc là du coup il utilise la Cam Spy et là il y a une alerte qui se lance. Alors c'est une méthode qui est reconnue par le jeu pour c'est le seul moyen par exemple d'obtenir le cheat code en Perfect Agent. C'est un jeu qui, enfin comme GoldenEye, qui encourageait le speedrun puisque tu débloquais les cheat codes en terminant les niveaux avec un temps bien précis, en une difficulté bien précise. Donc là il a lancé le timer pour ouvrir la porte du coffre-fort et il a déclenché la cutscene de la réunion et ça permet au chrono de se lancer pendant la cutscene et du coup il ne risque rien pendant. C'est ça, et du coup la porte est en train de s'ouvrir, les vagues d'ennemis sont en train d'arriver, mais Johanna n'est pas menacée du tout pendant la cinématique, il ne lui arrivera rien. Il a juste à faire la cinématique pendant que le compteur bouge. À la fin du compteur, tu désactives, voilà il attend même la fin pour pouvoir se débarrasser des ennemis plus rapidement et s'occuper un peu. Parce que autant en agent perfect c'est très très pratique pour économiser de la vie parce que les ennemis sont méchants, autant en agent tu peux te permettre de faire un peu le tour du bâtiment, de visiter le plan, enfin de visiter, de faire différentes analyses. Ouais, mais ça monte les roues, tranquille. C'est ça, tu peux regarder le sol, le plafond, tu dis oh c'est joli, ça ferait bien ma maison. Et donc là tu vas directement à la sortie, il va y avoir une explosion, c'est pas grave, la sortie est juste derrière et on en sort ni vu ni connu et là on va dans la zone 51. Quand on nous a dit un ami s'est fait capturer, vas-y. On sait pas qui c'est. Donc là c'est la zone 51, la mystérieuse zone 51, puisque là on va commencer à voir la mise en scène des aliens dans Perfect Dark. Il y a un petit côté SF très rigolo, très auto-parodique. Donc là il va pas passer par le champ de neige. Il va aller directement chercher la clé ici. Ouais, il prend la clé, il va activer l'interrupteur derrière le mur. Hein, voilà. Il va activer l'ascenseur. Et il va mettre les explosifs près de la console. En agent perfect, il y a des lasers qui apparaissent, qui n'apparaissent pas en agent, donc c'est pas grave. On s'en va, on n'attend pas que la pombe explose, on monte directement dans l'ascenseur. Il a réussi à atteindre le cycle d'ascenseur, ce qui n'est pas si évident que ça. C'est pas très évident parce que la porte se referme vite et quand elle se referme, c'est assez difficile de la reprendre en cours. Et non, là, il va très vite. Là, il va se diriger vers la sortie une nouvelle fois, qui va être le dernier objectif à compléter. La fin faut courir. Oui, la fin tout court. Hein. ouais, parce que de toute façon, en général, quand tu arrives à la sortie et que t'as pas tous les objectifs d'activer, de compléter, le jeu te dit non, tu vas pas finir le niveau. Non. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, tu reviens quand t'as tout fini, allez. Non, en attendant, quand c'est pas complété. Tu restes les bras ballants devant la porte et hop voilà, niveau complété, on va pouvoir attaquer zone 51 sauvetage qui est un des niveaux les plus difficiles en 0-0 Perfect. En Perfect Agent, je viens de fusionner les deux difficultés. Perfect Agent parce qu'il faut aller n'importe où, les gardes sont super forts. Ouais. Alors la boîte au début c'est pour exploser un mur mais il n'en a pas besoin en fait puisqu'on va le faire avec... La mode secondaire. Si on veut faire son kiki, voilà, il va le faire. Et voilà, il détruit la boîte. L'objectif est marqué comme échoué. Mais ne stressez pas, il a toujours une carte dans sa main. il va tricher. Parce que oui, dans Perfect Dark, toutes les armes ont un mode secondaire. C'est ça, ouais. C'est une mitrailleuse. Et le mode secondaire, c'est un phénomène. Le dragon. Le dragon qui est donc normalement une mitrailleuse, mais que tu peux utiliser effectivement, comme tu viens de le dire, en mine de proximité. Il vient d'en détruire une pour le fun, comme tous les ennemis sont armés de dragons ici, pas de problème. Pour tuer les gardes, il va tuer des gardes en bas, histoire de... Là, il va tirer sur la mine, ça va casser le mur, l'objectif passe en incomplet, il récupère l'uniforme que le mec... lui a ramené très gentiment et il s'infiltre dans le bâtiment avec s'infiltrer une nouvelle fois, encore une fois des murs, des mecs viennent d'être butés, mais t'as enfilé ton uniforme alors tout va bien.
Alors là, un petit bug, hein, tu tues le mec. Le mec à l'entrée s'en fiche, il te va te laisser entrer quand même parce qu'il pense que t'es un gentil. C'est. Il est très tolérant, ce jeune homme. Il a peut-être pas les yeux en face des trous aussi totalement. Donc là, il va utiliser le super dragon, qui est une arme, qui est, enfin, l'évolution du dragon, où là, c'est le lance-grenade qui est en seconde mode. Il s'en sert un petit peu rapidement pour se propulser. Il va pas l'utiliser à fond parce qu'il a plus beaucoup de santé. Ouais, ça fait un boost et bon là il a plus beaucoup de santé donc il va pas faire le kéké mais. Il avait de quoi faire un boost encore. Ouais. Ça se comprend. Donc là il va. Il a tenté, c'est passé. Nice. Du coup dans la cinématique il y a une explosion, c'est très joli. C'est assez risqué hein, les records sur ce niveau n'ont pas ça. Et habituellement tu tues juste le garde, tu récupères la clé, tu fais le tour. Là, il s'est pété un peu parce que tu gagnes juste une seconde ou deux, honnêtement. Ça a vraiment été trouvé très récemment, c'est plus. C'est très dur à faire. Alors que là, le paquet qu'on a amené en enfer. Donc là, on a introduit Elvis, qui est un petit gris, mais qui est un Mayan, un gentil extraterrestre qui va nous aider pendant tout le reste du jeu. Enfin, nous aider. Grosse guillemets, parce que ça va être des missions d'escorte. Hein. Ah, nous aider, ça commence bien déjà, hein. Bon, il était censé lâcher le paquet, ouvrir la porte. Ouais, normalement, avec la descente, avec l'élan, etc., il arrive au bon endroit. Mais là, non, la porte est fermée, pile poil sur le chemin, et du coup, ça lui a fait perdre du temps. Donc, déjà, Elvis commence son pouvoir de nuisance. Les speedrunners le détestent, hein, encore une nouvelle fois. Le mode secondaire du tranquillisant qui one-shot les ennemis. Très ça, le tranquillisant, ouais, tu peux faire une dose mortelle. Et si tu fais ça C'est dommage, il n'a pas récupéré de dragon, de super dragon. Si, il a récupéré du garde. Donc là, Jonathan, le garde, le gentil garde infiltré. Important, il faut tuer tous les gardes devant lui. Sinon, il se met à tirer et on perd du temps. On perd du temps, ouais. On ne veut pas perdre de temps. Quel garde nous attend? C'est pas grave, on a lance-grenade. Il est bien aligné, hein. Donc là, il y a un mec qui fait des roulades. Il était là, il était avec ses roulades, il était content. Donc là, il a une petite période donc Jonathan va poser une mine, enfin, va poser une bombe sur le mur. Et le temps qu'il pose sa bombe, il faut tuer tous les ennemis qui approchent. Une nouvelle fois, on est en terrain connu, on a vu ça avec GoldenEye tout à l'heure. Non, mais c'est moins long que... Là, c'est beaucoup moins long, ouais. Beaucoup moins long, ça dure que 30-40 secondes. Voilà, donc là, il tue tous les gardes qui approchent, tranquillement, un par un, un coup de grenade, bien un coup de sniping de grenade, comme on appelle ça. C'est très c'est précis. Le barrage. Barrage de grenade. Et en plus c'est bête parce que t'as juste à tirer ta grenade juste à côté une fois qu'il a posé la mine et tu peux rentrer directement. Donc là voilà, on vient de sauver Elvis. Donc là maintenant on doit se rendre près de son vaisseau spatial. Là il va exploser les mines pour tuer les gardes qui sont popés. C'est ça, pour les gardes qui sont popés en haut. Il va pousser PNJ parce que ce jeu résume à pousser des PNJ. C'est ça, là on pousse Elvis pour qu'il aille plus vite. Bouger son petit fessier. Donc là le vaisseau d'Elvis hein, qui est une belle soucoupe, que uniquement deux personnes peuvent rentrer dedans. Donc un des trois doit rester sur place, Elvis étant le seul à pouvoir savoir conduire. Il va rester, donc là on bouge Jonathan pour qu'il nous... Faites laisser peut-être expliquer plus en détail. L'idée c'est que Jonathan va aller se sacrifier et nous on va prendre le dessus sur lui, on va tout de suite aller activer les ordinateurs qu'il est censé activer. Et c'est pour ça qu'on pousse pour le minder un peu dans son comportement. Ouais, parce que sinon, une fois, si, parce qu'en fait il y a deux façons, soit il se dévoue et il va aller ouvrir les consoles et tout l'escorter, soit c'est toi qui te dévoues, c'est toi qui dois ouvrir tu dois faire la même chose, c'est-à-dire tu dois appuyer sur les consoles, mais en même temps en fait c'est un dernier aller-retour pour aller récupérer un vaisseau et pouvoir Faut partir. S'enfuir surtout. Ouais. Faut sortir après. Enfin, c'est très très long. Là, une fois Jonathan il se dit bon ok je le fais, donc t'allumes les consoles à sa place et le jeu considère que c'est Jonathan qui l'a fait. Donc tu pars directement. Donc là on arrive au niveau de la base aérienne. Une nouvelle fois c'est une question d'uniforme. Donc là on a endormi les gardes avec l'arbalète, c'est les arbalètes qui tirent des tirs euthanasiants. Pas euthanasiants, non. Euthanasiants. Voilà, c'est et ça. On dort. C'est terrible, bref. Donc là, juste point scénar, on a sauvé le Martien. Maintenant, on sait que le président va se faire attaquer durant son voyage en avion. Là, il a activé l'ascenseur à distance avec le robot. Parce que les robots peuvent activer les ascenseurs. Il n'est pas prévu pour ça normalement, mais. Pas besoin d'attendre des années parce que celui-là, cet ascenseur-là, il peut vraiment mettre des années à arriver. Oui. Donc, pas besoin d'attendre qu'il arrive. Donc là, une fois qu'on a activé la console, notre super infiltration ne sert à rien, notre bel uniforme est gâché, il faut blaster à travers les niveaux.
Et ce niveau, il y a deux fins possibles. C'est ça, et il va utiliser la fin. La fin de la navette, parce qu'en fait, selon la fin qu'on choisit, le départ du niveau suivant, c'est-à-dire Air Force One, ne sera pas le même. Et si on prend le chemin, la fin la plus rapide pour base aérienne, on va arriver à l'entrée d'Air Force One, qui va nous faire perdre le plus de temps, parce qu'on va devoir prendre des tours pas possibles. Donc là, on va prendre la navette, d'autant qu'en agent, on n'a vraiment aucun objectif, on n'a rien à faire dans le sous-sol d'Air Force One. Donc autant aller directement là où on veut aller. Un très bon air base. Hein. Ouais. Donc là on va rencontrer le président des États-Unis, qui prémonition était Black dans Perfect Dark. Les gens de Rare étaient très fiers d'eux parce qu'ils disaient on va faire quelque chose de neuf, de nouveau. Et finalement le premier président Black est arrivé bien avant 2024. La réalité a été bien plus rapide que. Comme pour Valentin dans le statut, on va se trapper devant le président pour le faire s'avancer. C'est ça, par contre, on ne peut pas trop sortir de sa chambre, sinon il. On va toujours avoir, à part son visage, en ligne de mire. C'est ce qu'il fait, s'il appelle la sécurité ou pas. Donc là, il faut escorter le président jusqu'à la sortie. On a posé une mine à l'entrée du vaisseau ennemi. C'est un objectif. Normalement, il faut escorter le président avant, puis détruire le tuyau après. Mais on peut le faire avant et pas de soucis. La cinématique nous montrera juste le tuyau qui vient tout juste d'exploser, ce qui est un peu de couillon. Là, on vient de voir un des méchants qui a duré assez peu de temps. Il vient de passer, on l'a dépassé même à niveau course. Là, on doit attendre que le président ramène son auguste fessier jusqu'à la sortie. Et il arrive plutôt vite. Habituellement, il peut être très récalcitrant par certains moments, et là pour l'instant, non, tout se passe bien. Ouais. C'est un très bon niveau, 1.07. Très très bon niveau sur Air Force One. Donc là, on est en Alaska. On est tombé, Air Force One. Oui, l'avion s'est crashé. Ouais. C'est crashé. Oula, merci. J'avais un autre écran sur l'écran. Donc voilà, donc là ce qu'il faut, c'est il faut retrouver le clone du président, parce que on l'a pas dit, mais le scénario implique un clone du président qui remplacerait le vrai président et aiderait les méchants extraterrestres à pouvoir aller dans la fosse des Mariannes, récupérer un vieux faisceau spatial qui cache une arme secrète. Enfin, le scénario est un peu fumé et très assumé au second degré. Donc dites pas, les mecs de Rare, ils savent pas faire d'histoire. Ils le savent, mais c'est vraiment une histoire très parodique. Les gens de Rare, comme on l'a dit, sont des gens qui ont beaucoup d'humour. Si tu dois jouer à Banjo-Kazooie et d'autres choses. Donc là, il détruit deux robots avant d'aller tuer le clone du président. Il va tuer le clone en lançant une mine. Il va lancer une mine. La mine va tomber dans un trou, et dans ce trou, il y a le président, le clone du président. C'est un très beau lancer, donc là il va détruire les robots, et il va sauver le président du méchant Trent Teston, qui est le méchant, qui est un des principaux méchants, qui a un magnum doré, et qui est le chef du NSA. Le NSA qui sont les grands méchants américains du jeu, qui veulent aider les méchants aliens pour on ne sait quelle raison. Il commence à nous suivre, il est déjà un peu plus bougon que tout à l'heure. Donc là voilà, il suffit de le ramener ensuite au vaisseau de Elvis qui est juste derrière. Elvis qui nous attend avec son vaisseau qui lui suit lui aussi crashé. Hein. Mais voilà, là c'est bon, la mission va être validée et on a terminé. On va pouvoir aller dans le Pelagic 2. Voilà. Qui est un vaisseau. Donc là, on apprend du président que les ennemis voulaient aller dans l'eau. Voilà, ils voulaient dans la fosse des Mariannes. Donc, pour aller dans la fosse des Mariannes, il faut prendre le bateau. Et avec ce bateau, on va rejoindre les. L'alarme est passée à 2 secondes là. En agent, c'est pas un si gros souci que ça, mais tu veux que l'alarme elle soit pas déclenchée. Et là, donc du coup, une sorte de petit objectif, tu demandais de passer le truc au rayon I, c'est juste d'appuyer sur les différents écrans verts. Hein. Une sorte de petit gameplay assez rigolo. Qui sont aléatoires à chaque partie. Faut se mettre dans le contexte, en 2000, ce genre de ce petit coup, les rayons X, etc., c'était assez impressionnant. Et on va voir une arme, alors peut-être qu'il va l'utiliser dans le prochain niveau, mais une arme, le Farsight, qui justement utilisait les rayons X comme viseur. Et on pouvait tirer à travers les murs, ce qui était assez plaisant. Donc là, on va voir, là, il va demander très gentiment à un des pilotes du vaisseau de s'arrêter, de très stopper. Hein. Il va d'arrêter l'autopilote et il va donner un coup de poing aux deux autres, pas par méchanceté, mais juste parce que sinon, un des deux aurait essayé de lui tirer dessus et de trahir, l'autre pilote. Donc là, il va essayer de glitcher un peu, il va contourner un énorme détour. Et il va sous la rampe, c'est ça. Avec les rayons X, en fait, t'as un interrupteur caché qui est prévu pour ça, hein, et tu peux passer à travers et t'économiser un temps précieux parce que sinon, tu devais passer dans un dédale de couloirs absolument horrible avec des ennemis cachés derrière des caisses, vraiment un labyrinthe assez pénible.
Enfin, on est au niveau Abyss, et là, c'est là où le RNG va être un peu précieux. Voilà, c'est ça. Donc, faut escorter Abyss jusqu'à la salle des contrôles. Il y a beaucoup de chemin, il y a beaucoup de gardes. Elvis fait un peu ce qu'il veut. Il y a des gardes invisibles, ce qui explique pourquoi il utilise ce viseur rouge qui permet d'afficher les ennemis invisibles. Là, il va essayer de buter les ennemis le plus rapidement possible pour qu'Elvis s'arrête pas dessus. Mais Elvis peut être très récalcitrant. J'ai vu récemment une run où Elvis a fait perdre genre 45 secondes à son runner. Le mec avait amélioré son PB, mais il était deg. Hein. Quand tu améliores ton PB de 15 secondes, alors que finalement t'en as 45 de perdu grâce à l'IA. Alors que là, il choque un peu sur le dernier garde. Ouais, il est un peu. Il a mal géré aussi son fusil à pompe. Parce que le fusil à pompe également, il y a deux modes, soit la mode un tir, soit la mode deux tirs. Ça c'était très explicite. Donc on va utiliser plutôt la mode deux tirs pour être sûr de rien laisser. Et on revoit rapidement le visage de certains gardes, et comme Golden Eyes, c'est les développeurs de Rare qui sont eux-mêmes inclus dans le jeu. Donc c'est toujours assez amusant de voir ces visages assez parfois assez rigolo et qu'on croise énormément. Donc là, il vide les couloirs, il arrive à la salle de contrôle, il espère que... Est-ce qu'Elvis l'a suivi? C'est pas facile de le voir parce que le niveau est assez sombre. Pas tellement. Et ben Elvis, il a été très méchant. Oui. Il est où? Carrément revenu au début de... Ça se trouve, il est revenu au début du jeu, il l'attend, il s'est fait un kebab. Alors le voilà. Tu as été très très vilain, Elvis. Ouais. Pas de flanc intergalactique pour toi ce soir. Hein. Oui, il y a des petits gris, il y a tout ce qu'il faut. Après, on voit les Skedar qui sont des sortes d'aliens très moches. On va voir notre premier dans pas très longtemps, si mes souvenirs sont exacts. Niveau d'après. Les Skedar qui en fait font genre 20 cm de haut et utilisent des robots qui ressemblent à eux pour pouvoir être plus menaçants et combattre les ennemis, ce qui est assez amusant. Pour ça, il faut évidemment savoir un peu le background de Perfect Dark qui est pas toujours très explicite. Et... Alors, juste là, il joue sur la version NTSC du jeu. Donc, ça veut dire qu'il va faire le niveau normalement. Si je joue sur la version PAL, on peut faire un glitch qui permet de skip complètement le prochain objectif. Ouais. Le glitch, c'est que si vous mettez le jeu en full screen, vous tirez au farsight, vous pouvez aller dans des zones que vous n'êtes pas censé pouvoir viser et détruire des générateurs qui vont tout de suite confirmer l'objectif. Alors que là, il va devoir. Il va devoir faire un grand tour. Hein. Il va devoir escorter le vis et l'attendre surtout. Ouais, ça, le fameux Farsight XLR qui tire à travers les murs et qui a même une visée automatique. Alors en multijoueur, c'est pour te faire détester tes copains, c'est ça, tu te mettais le Farsight, tu campais, tu mettais la visée automatique à travers les murs, elle trouvait automatiquement quelqu'un, elle tirait et c'était du one shot, hein, c'est-à-dire que tu te faisais toucher par le Farsight, tu mourais direct. Donc évidemment, c'était pour des bonnes soirées dans la bonne ambiance, c'était l'arme parfaite. Ouais. Donc ouais, il aurait la version PAL, cet objectif-là, il aurait même pas eu à le faire. Hein. Voilà. Cependant, la version PAL perd du temps sur. Perd un petit peu de temps sur tout le reste du jeu en général. Oui, parce qu'après, finalement, tu fais un gros sacrifice sur la fluidité bien connue des versions PAL. Hein, surtout à cette époque. Final, les deux versions se valent pour le run en agent. Ouais. En fait, le temps que tu économises la version PAL, c'est celui que tu économises en faisant le jeu normalement avec une version à 50 Hz un peu tronquée. Donc, le Dr. Carroll qu'on ne voit pas, mais qui était une IA avec juste des yeux et. C'est assez amusant, qui se sacrifie pour vous, hein, qui va détruire ce vaisseau spatial pour faire en sorte que les Skedar n'aient jamais l'arme ultime. Donc là, on se dit, on est vraiment dans le dernier niveau du jeu. Hein. On est forcément dans le dernier niveau du jeu, ça peut pas être aussi intense que ça, le reste. Il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir, voilà, hop. C'est pas très dur, là, on arrive même pas à s'enfuir jusqu'au bout du niveau, hop. Le vaisseau est détruit, tout va bien, et là, Carrington se prépare. Là, c'est ça, et là, dans le scénario, Carrington se prépare un petit galet avec le président des États-Unis pour se remercier, surtout pour l'idée d'avoir sauvé le monde. Sauf c'est que bah non, couper cette cutscene, faut attendre. On va couper cette cutscene, ouais. Cette cutscene-là, on peut pas la couper du tout. Elle est assez impressionnante, et voilà. Voilà, là, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, notre QG, le QG Carrington, il est attaqué par les méchants aliens. Donc ce niveau-là est très intéressant parce que c'est normalement c'est le niveau d'entraînement du jeu. C'est-à-dire que sur l'écran titre, tu parcours ce niveau-là pour t'entraîner. Donc là, il ouvre une porte, il va faire un truc très très mal, c'est-à-dire que quand il ouvre la porte, il y a un script qui se lance et les gardes qui sont à l'intérieur attaquent automatiquement l'otage. Donc, normalement, t'as le temps de te diriger, de sauver l'otage, mais là, l'otage est sacrifié. Sachant que tu peux sacrifier des otages, c'est-à-dire que t'as trois otages, t'as le droit à trois otages morts. Et pour une fois, l'idée c'est d'aller simplement visiter les salles, d'aller visiter les salles, sauver les otages et
et ensuite, après quand c'est en agent tout à droite, cette tolérance en 0-0 agent, ça devient un peu plus compliqué, le jeu te fait un peu plus la face si tu laisses des ennemis, des amis mourir. Que là ça s'est plutôt bien passé. Ah, il utilise pas le RCP en mode occulteur, ah s'il va le faire. Non, pas du tout en fait, il va juste utiliser comme arme normale. Parce que cette arme là, comme second mode, c'est un occulteur, c'est-à-dire que tu deviens invisible aux yeux des ennemis. Et pendant tout le temps que tu tiens l'arme, ça consomme tes munitions évidemment, mais ça te permet. Bien de... invisible et c'est craqué. Mais là, on dirait non, il encaisse juste les dégâts. Il télécharge le virus dans le vaisseau des ennemis. Là, il se met en invisible du coup, et il arrive, il va tranquillement à la fin du niveau. Ouais, il était se faire troller dans le dernier couloir. Ouais, dans ce dernier coup, il s'est fait un peu bloquer, il a terminé le niveau en 1 minute 10, c'est tout à fait correct. Bah, 1 minute 10 c'est pas mal, il faut vraiment avoir du bol. Donc là, ce niveau-là, on le commence avec sa bite et son couteau, hein, comme on dit chez nous. Oh là là, tous ces gros mots, tout ça, c'est terrible. Ouais. On a, c'est la version Jap, on commence avec un pistolet. Voilà. La version Jap, on commence avec un pistolet. Ce qui est vraiment dur parce qu'on peut pas one-shot le Skedar avec un pistolet. Ouais. Avec le couteau, bah on l'a. Avec le couteau, en fait, il faut espérer arriver derrière l'ennemi Skedar et pouvoir le. Quand on fait un coup de couteau dans le dos. C'est direct, c'est comme dans Team Fortress 2. C'est très pratique. Donc là, on récupère notre fusil d'assaut, on tombe sur les Skedars. Donc Elvis nous a filé on l'a même pas vu, mais il était là, il nous a filé notre arme. On doit l'escorter un peu dans tout ce niveau, mais on va vite le laisser derrière. Hein. Bah en fait, pas vraiment, parce que Elvis peut mourir assez rapidement sur ce niveau, même quand on ne le regarde pas. Donc il va y faire attention. Mm. Donc là voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour tuer un max d'ennemis. Donc là cette arme, le Mauler est très intéressant, c'est une arme Skedar qui justement utilise des munitions pour se recharger, donc là il y a 5 munitions d'un coup, mais tous les coups, une fois que le fusil, le pistolet est totalement chargé, fait des one shot, donc pour tuer les Skedar qui sont des ennemis assez résistants mine de rien, c'est extrêmement pratique, donc il va s'en servir à bon escient. C'est beaucoup de munitions, mais en agent on a largement de quoi faire. Voilà, donc Elvis doit attendre cette salle, donc là il va l'attendre. Hop. Allez Elvis, viens là! C'est bon. Il dit ensuite c'est que Elvis prenne le même chemin que lui pour le rejoindre, le chemin qu'il aura déblayé de tout ennemi. Ouais. Comme ça, Elvis ne mourra pas. Parce que si Elvis commence à se balader tout seul, faut pas donner trop cher de sa peau. Voilà. Mais il existe quand même un risque que Elvis meure comme ça hors caméra et tue la mission. Et ouais, c'est l'émission, le plaisir, l'émission d'escorte. Hein. De nos jours, les PNJ sont invincibles, c'est pour une raison, c'est parce que les développeurs étaient des joueurs il y a 15 ans et ont fait GoldenEye et Perfect Dark, et on avait marre de voir Natalia et Elvis leur gâcher leur mission à leur place. Donc là, on a une sorte de mini-boss, un Skedar vachement plus résistant que les autres. Rien de plus facile pour nous avec notre Mauler. Mais on peut avoir le double Mauler s'il le trouve. Il n'a pas trouvé le Mauler. C'est ça, donc là il va bloquer un peu la porte. Et attendre les ennemis tranquillement derrière. Maintenant que les ennemis spawnent, il va les attendre là et les cueillir tranquillement avec son arme over-cheatée. L'idée c'est de tuer les ennemis le plus rapidement possible pour déclencher la fin de mission. Trois ennemis, toujours un à gauche et un à droite. Voilà, et hop, le pont a été capturé. Et voilà, on a récupéré le vaisseau et on se déroule dans le dernier niveau. Dernier vrai niveau du jeu, parce qu'après il nous fera sans doute, je crois que l'enchère a été battue, mais il nous fera les niveaux secrets. Ça c'est le vrai dernier niveau, c'est le temple Skedar. Donc là, avec un radar, on doit trouver des obélisques, poser des trackers dessus pour qu'ils puissent être bombardés. Donc là on est vraiment dans le milieu sain des Skedar, des méchants Skedar. Il y a 5 piliers dans le jeu et genre choisit 3 aléatoirement. Ouais, il y en a 3 et c'est le jeu choisi aléatoirement au début. Donc il a un pilier qui est le plus loin et ouais, c'est pas de chance, mais bon. C'est celui-là. Ça fait perdre 10 secondes parce qu'il y a des gens qui ont plus de bol qui ont le pilier qu'à la sortie là. Là, on a récupéré un petit lance-grenade des familles, c'est sympa. Ça fait plaisir. Ça sert pour faire un skip. Là, c'est un petit skip, hein. c'est pas facile à faire à la manette et ouais, c'est pas du tout facile. C'est un bon petit glitch des familles. Oh, et il passe le pont grâce à sa déflagration de son lance-grenade, son Devastator. Les noms d'armes subtiles, donc là il avance dans le temple, avec son... Les portes de ce niveau sont cancérigènes. Ouais, parce qu'en fait, une fois sur deux, elles peuvent se bloquer au milieu. Ouais. C'est aléatoire, hein, c'est pas scripté du tout, mais elles peuvent se bloquer. Et on arrive au boss final. Alors le boss final a une méthode très bizarre pour le battre, il fallait mettre son bouclier au niveau vert, comme celui-là. Mm-hmm. Une fois qu'il était au niveau vert, le bouclier de l'obélisque baissait, et il fallait faire tomber les 5 branches de l'obélisque.
Et la cinquième branche, la grosse branche, lui tomber sur la face et l'empaler. Voilà. Qui, Clay a essayé d'en tuer dans les créatures d'un coup, mais ça n'a pas marché. Ouais, et là c'est, ça devrait être bon. Très très bon temps sur le temps de Skedar. Et time, 31 minutes et 1 seconde. Nice. Vraiment pas mal. Un très très bon. Record du monde, qu'est-ce qu'on a dit, record du monde. Le record du monde, il est autour de 24. C'est 28 minutes. C'est 28 minutes, ouais. Ah bah oui, c'est... Et il a perdu beaucoup, beaucoup de temps sur le second niveau. Bah, le début du run, il n'était pas prêt. Ouais, mais il s'est laissé porter par l'élan. Il a nous faire les niveaux spéciaux. Certains niveaux, peut-être que vous n'avez peut-être jamais vu. Hein, c'est le dernier niveau, Mayan SOS, il fallait terminer le jeu. C'est sa troisième classe la race précédente. Ouais. De très peu. Ouais, il était peut-être un peu démoralisé après sa troisième place à la run Golden Eyes. Donc alors les trois niveaux, on a Mr. Blonde Revenge, Mayan SOS, le duel et l'assaut Mayan. Mm. Alors ces trois niveaux qui sont extrêmement difficiles, mais en agent perfect, ils sont vraiment compliqués, très sadiques. Mm. Et là dans ceux-là on contrôle pas Johanna en général, là on contrôle Mr. Blonde. Donc ça se passe dans le scénario, ça se passe peu avant les premiers niveaux. Et on va devoir aller capturer, ça se passe après, justement après les trois premiers niveaux, et on doit aller punir la PDG d'Atadine d'avoir échoué la mission, d'avoir été incompétente. Comme on a un vrai méchant type Dark Vador, les gens qui sont incompétents, et ben on les tue. Hein, on est des vrais méchants, on les vrais pas. On l'est pas. Donc là le but du jeu, c'est d'aller rencontrer Cassandra Devry, qui est la PDG, et puis de l'escorter jusqu'au toit. Ce niveau est... C'est le moins dur des niveaux spéciaux, donc celui-là on le débloquait en terminant le jeu en Agent. Il est pas très intéressant surtout. Il n'est pas très intéressant, il n'y a rien de spécial. Les trois niveaux récupèrent des level design de niveaux précédents, c'est pas comme Aztec ou Egyptian. Bonjour madame. Bonjour madame. On récupère. Courez vite s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, le plus rapidement possible jusqu'à la sortie. Et là pour optimiser, il faut pousser le PNJ. Faut pousser le PNJ jusqu'à la sortie. Lui faire bouger le cul, comme on dit en Normandie. Ou le reste de la France, je pense. Donc là, ça va, c'est plutôt simple. Après, quand on arrive à Mayan SOS, c'est un niveau qui va être beaucoup plus méchant. Mayan SOS, on le débloquait en terminant le jeu en agent spécial. Et le dernier niveau, en terminant le jeu en agent perfect. Et terminer le jeu en agent perfect, vous demandez des compétences assez folles. Big Boss Man était là lors de la GDQ de l'an dernier pour finir le jeu en agent perfect. C'était un perfect agent et c'était assez. C'était assez impressionnant, genre 50 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était assez fou. Et c'est vraiment des modes où tu peux risquer de mourir n'importe quand. On voit une quatrième mode difficulté qui est la mode Perfect Dark et où tu peux juste configurer à ta volonté. L'IA, ta propre santé. Donc, si tu veux par exemple faire en sorte que tous les ennemis meurent d'une balle, tu peux, mais si tu veux faire en sorte que tous les ennemis, enfin, de toi-même mourir d'une seule balle, n'importe quoi, tu peux aussi. Ça rajoute des petits challenges supplémentaires et ça a augmenté cette fois-ci, on contrôle l'un des Mayans. Ouais, on contrôle Elvis, justement, qui doit envoyer. C'est pas Elvis, hein. C'était sûr. Parce que je me sens que c'est Elvis, justement, qui se refait capturer à la fin à coup de tranquilliseur. Hein. Et le but du jeu, justement, c'est d'aller actionner le SOS. Pour que Carrington le capte. Dans ce niveau-là, c'est terrible parce que quand tu commences, en plus, tu commences avec la moitié de ta vie, sympa. Ouais. T'es plus petit que tout le monde, sympa. T'as plein d'ennemis vraiment partout, t'as des objectifs, tu dois faire plein de détours. Dans un niveau qui est extrêmement grand, effectivement, c'est toute la zone 51 qui est utilisée. C'est un niveau qui est en agent perfect, c'est d'une difficulté innommable. Là, il a lancé son arme en 1000 de proximité. En 1000 de proximité pour faire deux ennemis d'un coup. En plus, il y a plein de types. Voilà, justement, ce passage-là, il faut bien capter que tu dois passer par un conduit d'aération à un endroit bien précis. Là, il est passé pile poil sur le site de l'ascenseur, et c'est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas facile. Ça passait vraiment à une seconde, enfin, même pas à une demi-seconde près, et il l'a fait. C'est très d'atteindre l'ascenseur sur la version US. Donc là, il est toujours en agent, hein, il va pas tenter de faire le niveau en agent perfect, c'est pas possible. Enfin, c'est pas quelque chose que tu fais devant tout le monde en speedrun, hein, ça demande plusieurs essais. Donc ouais, comme j'ai dit, tu termines en niveau agent spécial, il nous montrera pas les niveaux duel qui ne servent à rien. Les niveaux duel, ça durait 10 secondes, t'avais un temps très limité pour dégainer ton arme et tuer ton ennemi. C'était assez rigolo, mais pas plus que ça. Perfect Dark avait pas mal de petites modes comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Kijit Carrington avec tout le stand de tir, les essais d'armes, de gadgets, etc. C'était plutôt fun. C'était vraiment très très riche comme jeu et... C'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. J'ai activé le signal de détresse et terminé le niveau. Et voilà, terminé le niveau.
Il a même posé la mine, tout ça, pour le fun. Pour le fun total. Ah, ça déclenche la cinématique, d'accord. Là, comme ça, dans la cinématique, eh ben, ça fait un peu. Ça me fait effet Michael Bay, quoi. Donc, voir. Alors, et le dernier niveau. Où là, tu joues justement. C'est après la fin du jeu. Là, tu joues des, justement, tu joues des Mayans random qui chargent le camp ennemi. Alors, honnêtement, ce niveau-là, j'ai jamais débloqué. Donc, Moi non plus, ça tombe bien. je veux pas dire que je le découvre parce que j'ai bavé sur des vidéos YouTube qui montraient le truc, mais. C'est vraiment un fantasme d'enfant, ce fameux dernier niveau que, qui est pas plutôt simple, mais qui est très, très facile à appréhender. Tu vas juste rusher jusqu'à la fin du niveau. Donc là, justement, les blocs qui se portent un peu n'importe où, on vient d'en faire les frais. Donc c'est un peu aléatoire, qu'on a dit. Donc là, voilà. Hop, il a tué le roi des Skedars et il a terminé le niveau. Il a terminé la run. Voilà, c'est... Le roi des Skedars se fait one shot. Hein. Ouais, c'est pas le même roi Skedar que dans le dernier niveau. Ah, si, il va faire tous les duels. Hein. Oui, c'est très intéressant duel. Hein. Ah, c'est très intéressant, vous allez regardez, voir. Ça va aller très vite. Donc le premier ennemi, c'est un ennemi random. Salut. Bien joué, tu étais trop rapide pour lui. C'est fini, hein, c'est agent. Là, ça applaudit derrière, effectivement, pour le skill, quoi. C'était ouf. Hein. Mmh. Donc, il va faire en chaque difficulté, parce que chaque difficulté a un ennemi bien particulier. Non, il le fait. Non, finalement, il va pas faire chaque non, mais... non, bah non, il va pas dans toutes les difficultés. Oh, il aurait pu combattre Trinteston. Il va peut-être nous montrer 2-3 trucs ou non. Il va changer de fichier. Non, pas de. Non, pas de montrage de glitch, etc. Donc on va pouvoir. Juste après, c'est ce sera Halo 2. C'était quand même solide, mine de rien. Ouais, c'est quand même. Vraiment... Dark Souls 2. Ouais, après, c'est Halo 2. Halo 2. Halo 2, ce sera Dark Souls 2 après. Puis après, okay. je sais plus très bien, je crois que c'est Final Fantasy 7, mais bon, on va très très loin. Donc voilà, c'était Perfect Dark. Donc bah, merci beaucoup. Pas de soucis. Donc voilà, donc Perfect Dark qui nous. Donc là, on va faire une coupure de stream très longue. Plus longue que la précédente. Excuse-moi, j'utilise des termes. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de commenter avec vous. Puis donc à la prochaine et soyez au rendez-vous donc, pour Halo 2 après la coupure de stream. Allez, salut.